dans nos Bibles, de ta Bible, dans Daniel chapitre 9, in Daniel chapter 9, et nous allons directement au verset 20. Moving directly to the 20 verse. Avant d'y arriver là-bas, je prends le verset premier de Daniel 9. I took the verse 1, Daniel 9. Et je vais sauter quelques versets pour aller directement au verset 20. I move some verses to go directly to 20. Amen. Amen. La première année de Darius, fils d'Assyrus, la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. In the first year of Darius, son of Xerxes, a man by the Senate who was made ruler over the Babylonian kingdom. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. In the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scripture, according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. Nous prenons le verset 20. Took the verse 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, de mon Dieu. While I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my request to the Lord, my God, for His holy hand, while I was still in prayer. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. While I was still in prayer, Gabriel, a man I had seen in the early vision, came to me in a sweet flight. Il m'instruisit et il s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. Lorsque tu as commencé à prier, c'est le verset premier de chapitre 9. Verses first. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. As soon as you began to pray, an answer was given which I have come to tell you for you. Given which I have come to tell you for you. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines are decreed for you people and you all city to finish transgression. Pour faire cesser les transgressions. Un. To put an end to sin. One. Et mettre fin au péché. Deux. To atone for weakness. Two. Pour expier l'iniquité. Trois. To bring in everlasting righteousness. Three. Amener la justice éternelle. Quatre. To seal up the vision. Four. Pour sceller la vision et le prophète. Cinq. And prophecy and to anoint the most holy. Et pour oindre le saint des saints. Six. And to anoint the holy of holies. Six. Et nous limitons là aujourd'hui. We stop there today. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. You Almighty God. Ton peuple est dans la prière depuis le matin. Your people are in your prayers in the morning. Et ton prophète dit, la prière est une force. And your prophet said, prayer is a strength. C'est ce qui permet à quelqu'un de vaincre. That's the loss of one to overcome. C'est ce qui permet à quelqu'un de décrocher les choses qu'il a demandé à Dieu. That the loss of one to overcome things that has been. Et la prière rend l'homme grand. And the prayer made the awesome. Viens notre Dieu. Come Lord Jesus. Et bénis tous ceux qui sont dans cette atmosphère. Let's all go in this atmosphere. Je veux que Seigneur, tu nous fortifies dans la marche chrétienne. I want us to strengthen us in the prayer. Et que tu nous donnes la victoire partout où nous foulerons nos pointes de pied. You give us victory everywhere we step. Que tu nous rends fort. You strengthen us. Et que tu donnes la victoire à chacun de tes enfants. Give us
victory. Et que tu fasses prospérer cette église. And you make prosperous this church. Seigneur Dieu, ouais, la parole qui serait prêchée ce soir. Lord Jesus, anointed the word which is now. Et guéris ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Donnez la solution à tous les problèmes de tes enfants. Solution to our problems. Et manifeste ta gloire. And manifest your glory. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Let the Holy Ghost be with us. Et que Jésus-Christ soit réel. And Jesus be real. Et que ton peuple soit dans la joie. And your people be in joy. Et que la révélation puisse nous saouler. And the revelation make us strong. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. And in your Lord Jesus. Et conduis cette église toi-même. And lead this church yourself. Et soutiens-la toi-même. Support yourself. Manifeste ta gloire. Libère les malades. Que ceux qui sont possédés notre Dieu. Que ceux qui sont libérés au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être fidèles à tous les esprits. Afin que toi le Dieu tout puissant. For you, the Almighty God. Tu puisses nous remplir. Not for fears. Père bien-aimé. Father heavenly. Donne-nous l'assurance. Give us the insurance. La victoire. Of the victory. Pour cette nouvelle année. For this new year. Que chacun puisse se bénéficier toutes les bénédictions du ciel et les portes qui ont été fermées durant de longues années puissent s'ouvrir et que chacun voit un nouveau jour, un jour de témoignage, un jour de glorification, un jour d'élévation, un jour de la manifestation. Seigneur Jésus, notre Dieu, tu as dit c'est le peuple qui porte mon nom. Chacun de tes enfants. Libérons les chaînes. Les chaînes de prison. Les pressions de maladie. Les pressions de possession. Que Satan recule. Au nom de Jésus-Christ et de Dieu. Rétablis, mon Seigneur. Parce que nous sommes ton peuple. Bénis la parole. Bénis les frères. Les sœurs. Qui sont en déplacement. Les officiers de l'église, tous ceux qui soutiennent ce ministère, par leur dîme, par les offrandes, je veux que tu les élèves, je veux que tu les fais prospérer, je veux que les portes de leur vie s'ouvrent. Oh Dieu, Almighty God, écoute leurs prières. Listen to my prayers. Et je voulais prier pour le frère Arlene et son épouse. Qui sont l'étranger. Sois avec eux là où ils sont. Protège le Seigneur. Garde le Seigneur. Et conduis leur pas. Que jamais l'ennemi les touche. Qu'ils soient tous en paix. Jusqu'au retour. Donne-moi grâce, Seigneur. Sois avec tous les frères et sœurs. Qui sont les étrangers qui me suivent. Par l'internet. Toi qui es notre Dieu. Que tu puisses les bénir. N'oublie pas tous ceux qui travaillent dans la façon du royaume et qui soutiennent ce ministère que tu m'as donné dans leur prière financièrement. Oh Dieu, matériellement, que tu puisses les rendre sensibles. Ne les oublie pas, Seigneur. Bénis-les pour ce cercle et pour le cercle à venir et que chaque personne qui a sémé. Pour que ce ministère puisse aller de l'avant, que tu lui rendes cela, Seigneur, dans le matériel et dans le spirituel, qui soit bénéficié de la protection divine et de la bénédiction de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Aaron Branagh. Nous avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Très fort, Jésus-Christ. Clapping so much, Lord Jesus Christ. Merci pour être venu à l'église. Thank you for coming to the church. Nous sommes en train de porter cet enseignement très merveilleux, très bon. We are with this teaching, marvelous and so good. Et Frère Branham nous montre combien cet enseignement sur le son disciple Daniel sont très importants. Show us how it is useful, this teaching. Et le prophète dit, and the prophet says, si vous ratez le son disciple Daniel, if you miss the 67 of Daniel, vous allez manquer de son.
miss les sins. Et vous allez manquer tout ce qui vient après. Miss all coming back after. Parce que ces choses sont liées. For these things are bound. Et nous avions dit qu'il était très important. He said it's so good and telling. Que nous apportons ce message. Bring that mission. Amen. Ever. Je ne voulais pas me retarder là-dessus. Want to delay this. Mais comme vous savez, nous avions déjà abordé une petite partie. As we know, we reached a little part. Et nous avons dit au début là-bas que les 110 semaines d'Daniel, nous ne pouvons pas les apporter si nous ne parlons pas du Parrain Rédempteur. We said at the beginning there, you can bring Daniel's if you don't think about the Kingman Redeemer. Parce que le Parrain Rédempteur est lié, n'est-ce pas, aux 110 semaines d'Daniel. Man Redeemer is bound to the 67. Et là-bas, nous savons vu combien Ruth, Naomi et Ruth doivent revenir dans la patrie. Over there, we see of Naomi and Ruth must come in. Et le frère Branham dit, Naomi qui quitte la patrie pour aller à Moab. Frère Branham say Naomi leaving the country to come back. C'est l'image d'Israël qui quitte son territoire pour aller dans les pays étrangers. Image of Israel coming back to the. Et quand Naomi est en train de revenir dans sa patrie. Naomi is come back in his homeland. C'est l'image d'Israël qui retourne dans sa patrie. This is the image of Israel coming back to his homeland. Et je vous ai montré quand Israël est revenu dans sa patrie, c'est en même temps que le pause du temps de la fin reçoit le message. I show you when Israel come back, that's the same coming. Parce que Frère Branham a dit, because Frère Branham said, le même jour qu'Israël est devenu une nation. That Israel came a nation. Le 7 mai 1946, à la même heure, le même jour, same hour, same day, l'ange du Seigneur est apparu à Frère Branham et lui donne le message de ce jour. The angel of God came to Frère Branham giving this message of the day. Et c'est pour vous montrer que quand Naomi retourne à sa patrie, il ramène en même temps Ruth. Show you when now we come back in this country. Et quand Israël dans le naturel retourne dans sa patrie en 1946, c'est en ce même jour-là que Dieu ramène l'époux de nation vous qui êtes Ruth. When Israel now we came back, it's the same age we bring us the news coming. Et notre message est en parallèle avec la vie d'Israël. Our message is parallel with the Israel life. Je ne sais pas si l'Église me suit bien. I don't know if the church. C'est pourquoi Frère Branham nous dit dans la brochure reconnaître votre jour et son message. In the booklet, paragraph 24. Maintenant, mon sujet ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. So my topic is recognize our day and his message. Nous avons fini la leçon le dimanche passé. In the teaching of last day. Nous avons enseigné sur la fête des trompettes. About the feast of trumpets. Et je vais attirer votre attention maintenant sur le temps. To draw our attention on the time. Temps d'Israël selon l'horloge de Dieu. Time of Israel according to the watch of God. Et il dit dans la brochure la marque de la bête, paragraphe 48. In the booklet, mark of peace, paragraph 48. Si vous voulez savoir le jour, regardez le calendrier. If you want to see the day, watch over the calendar. Si vous voulez savoir le jour, la saison concernant la venue du Seigneur, regardez où se trouve Israël. If you want to see the days. Look over the season where Israel is. C'est l'horloge de Dieu. This is the watch of God. Je ne sais pas si vous suivez. I don't know if you follow. Israël est l'horloge de Dieu. Israel is the watch of God. Donc si nous voulons connaître aujourd'hui. If you want to know today. Le temps qui nous reste pour le départ. Remind them for us. Regardez la position qu'occupe Israël maintenant. Baba say, look over the position of Israel. Et n'oubliez pas qu'Israël maintenant est dans sa patrie. Never forget that Israel now is in his homeland. Et quand ils quittaient les nations, ils étaient déportés. But they were in nation, they were deported. Et ils ne revenaient pas les avions. They didn't come by. On leur a posé la question de savoir. Ask the question to know. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas, Israël? I'm going there in Israel. Et dit, nous allons voir le Messie. Then we see the Messiah. Et Frère Branham dit qu'il y a trois points, il y a trois points, il y a trois choses. Qui ramène Israël dans leur patrie. Everybody says there are three things coming back Israel in their homeland. Premièrement, ils viennent pour reconstruire le temple. First of all, they come to rebuild the temple. Deuxièmement, ils viennent pour voir le Messie. Secondly, they come to see the Messiah. Et troisième point, first point, Israël revient. Israel come back pour rétablir
l'adoration. Reestablish the worship. Il vient pour voir le Messie. Come to see the Messiah. Il vient pour reconstruire le temple. Come to rebuild the temple. Et il revient pour rétablir l'adoration. They come to reestablish the worship. C'est trois choses. It's three things. Qui a ramené Israël dans leur patrie. Bring Israel their homeland. Reconstruire le temple. Rebuild the temple. Voir le Messie. See the Messiah. Et rétablir l'adoration. And reestablish the worship. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Donc Israël est l'horloge. Vers Israël est le watch. Notre horloge. Our watch. Ce qui se passe là-bas. This happened there. Doit réveiller notre manière de voir les choses. As one power seeing, man of seeing things. Et c'est Dieu qui nous interpelle à comprendre. God, pay our attention. C'est notre calendrier. This is our calendar. Israël est notre calendrier. Israël est notre calendar. Et Israël est notre horloge. Israël is our watch. Amen. Amen. Alors Naomi est retournée dans sa patrie avec Ruth. Then Naomi came back with Ruth in their homeland. Et plus tard, Ruth est passée par quatre étapes. Later on, Ruth come back for three steps. Justification. Justification. Sanctification. Sanctification. Le repos. Rest. Et Ruth a été récompensée. And Ruth was rewarded. Et formellement dit, la récompense de Ruth n'est rien d'autre que l'adoption. Adoption. Et le repos de Ruth, c'est le baptême du Saint-Esprit. The rest of Ruth is the baptism of Holy Ghost. Et le travail de Ruth, c'est la sanctification. The work of Ruth is sanctification. Et la décision de Ruth, c'est la justification. The decision of Ruth is sanctification. Mais sa sœur qui a pris la décision de répartir à ses dieux aux choses qu'il avait vomies. Sister who took a decision to come back to the thing that she pulled out. On n'avait plus jamais parlé de lui. She didn't talk about her. Et franchement dit, c'est un type d'un soi-disant croyant ou bien d'un chrétien limitrophe. But I'm saying he is a type of unbeliever. Qui après avoir cru à ce groupe de message, il retourne aux choses qu'il a rendues. After believing of things that she understood, she come back to things that she believed. Et Ruth est le type d'un véritable croyant. Type of true believer qui a pris sa décision depuis le jour qu'il a cru au Seigneur. For the time to believe in God. Malgré l'humiliation, malgré les attaques, malgré les perturbations, humiliation, perturbation, il a pris la décision de ne pas retourner en arrière. The decision to never back. Il ne venait pas dans le message pour goûter au message et retourner en arrière. He didn't come in the message to come back. Et retourner en arrière. And to come back. Mais il faut prendre la décision d'avancer avec ce message jusqu'au bout. Take a decision to go forward. Et vous découvrirez les bénédictions qui sont derrière ce message. Dans ce message se cachent les glorieuses promesses que Dieu a données dans la Bible. This message is high glorious promise in the Bible. Et ces glorieuses promesses sont données à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Donnera accès aux bénédictions que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a promis pour vous. For God promised for you blessings. Amen. Amen. Et nous sommes rentrés maintenant dans une étude. And we get in a survey. Selon le livre de Jérémie, Dieu avait remarqué qu'Israël n'obéissait pas à la parole. According to the book of Jeremiah, God observed that they did not obey the word. Israël était rebelle. Israel was rebellious. Dieu leur envoyait des prophètes. God sent the prophets. Dieu envoyait ses serviteurs. Pour les ramener à la parole. Bring back to the world. Mais Israël était toujours têtu. Israel was rebellious. Et c'est ça la condition de l'Église aujourd'hui. This is the condition of the church. Malgré tout ce que Dieu dit, despite what God said, il y a quelques-uns qui comprennent. And those who understand, et d'autres ne comprennent pas. And those who don't understand. La condition d'Israël est exactement la condition de l'Église ou du croyant maintenant. Israel's condition is the same for the church today. Puisque ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Dieu envoya Jérémie le prophète pour prophétiser contre Israël. God sent Jeremiah to prophesy against Israel. Lui-même, Jérémie était un juif. Then Jeremiah himself was a Jew. Et il vient maintenant pour prophétiser contre son peuple. He come to prophesy against his people. Et quand Dieu envoie un prophète, ce prophète ne regarde pas sa nationalité. When God sent a prophet, he's not his God. Il a un message pour la nation. God a message for the nation. Que ce soit le roi, que ce soit le général, quand Dieu parle, c'est pour tout le monde. I repeat, or generally, when God speaks, is for everyone. Ainsi dit le Seigneur. So said the Lord. Je cherchais à vous ramener, vous ne m'avez pas écouté. I said to bring you back, but you didn't understand me.
vous serez déporté. And you will be deported. De ce pays à un autre pays. From this country to another one. Et vous resterez là-bas pendant 70 ans. And you will remain there for 60 years. Et après 70 ans. After 60 years. Je vous ramènerai dans sa patrie. I will be back in that land. C'est ce que Dieu avait dit au temps du prophète Jérémie. God said to Jeremiah time. Alors je vous ai dit que les 70 années de captivité ne sont pas les 70 semaines de Daniel. The 60 years of captivity are not for Daniel. Non, les 60 ans. 60 years. C'est la durée de la captivité. Is duration of captivity. Et les 70 semaines. 60. C'est le nombre des années ou bien le plan du salut pour les Juifs. Is the number of years of salvation plan for Jews. Pas seulement pour les Juifs. For Jews, mais pour la ville de Jérusalem. For the city of Jerusalem. Et nous avons dit qu'il y a 70 semaines après ce que Dieu, à l'ange du Seigneur, a parlé à Daniel. And we said there are 60 weeks when after God said for Daniel. D'après ce que Gabriel a parlé à Daniel. God in words, Gabriel speak to Daniel. Il a dit qu'il y a 70 semaines qui ont été établies pour toi et pour ton peuple et pour ta ville. God, there are 60 weeks that have been established for your people. Et le peuple de Daniel, ce sont les Juifs. Now your people are the Jews. Et sa ville, c'est Jérusalem. His city is Jerusalem. Dans le plan de la rédemption, les 70 semaines, c'est pour Jérusalem et pour les Juifs. First, the plan of redemption is for Jerusalem and for Jews. Daniel était en prière. I was in praying. Il voulait connaître combien de temps il restait pour repartir après la prophétie de Jérémie. How much time is raised according to the prophecy. Gabriel est descendu. Gabriel stood down. Il lui a parlé. He spoke to him. Pour lui dire voilà ce qui se passe. Tell him what happened. Quand depuis le temps que tu as pris la décision de prier. Since the time you took the decision to pray. Voilà ce qui se passe. This is what happened. Il lui a révélé. Reveal him. Les années qui restent avant le départ. Remaining years after the departure. Et il lui a révélé la suite des événements qui viendraient pour le peuple juif et pour la ville. The following of things which happen after the church. Je ne sais pas si l'église est avec moi. See if the church is with me. Alors nous avons dit comment arriver à trouver le soir des semaines pour connaître les années que Dieu a établies pour le salut des Juifs. As we say, how to know of years. Le prophète dit que si vous connaissez ça, il n'y aura plus de confusion. The prophet say, if you know this, there is no confusion anymore. Si vous connaissez ces choses, if you see those things, le nombre des années. The amount of years, il n'y aura plus de confusion. There will be no confusion. Parce que tout sera vraiment bien. For everything will be well. Ok, dans la brochure, les instructions de Gabriel à Daniel. Instructions of Gabriel to Daniel. Nous allons lire à partir du paragraphe 105. Frère Madame dit. Maintenant, est-ce que mon auditoire comprend? No, my auditor understand. Si nous pouvons trouver ce que sont ces 70 semaines. You can know what is 60 weeks are. Nous saurons quand sera la fin. We will know where years end. Oh là là, que Dieu nous aide à savoir. Oh my, may God may know to know. Il nous a dit direct, il nous a dit exactement quelque part dans ces passages. He is there for us exactly in this passage. Le temps exact de là jusqu'à maintenant. Exact time to now till now. Jusqu'à la fin. Till to the end. Et ça sera précis. It will be accurate. À la minute près. To the minute. Vous voyez ce que madame dit? You know, Baba Nam si nous pouvons trouver ce que sont ces 70 semaines, can know what the fixed weeks nous saurons quand sera la fin. We will know when the end will be. Si nous arrivons à connaître exactement les 70 semaines de Daniel, if you reach what the 60 weeks of Daniel is, alors nous saurons quand sera la fin. We will know when the end will be. Alors d'après ce que Daniel a dit, ce que Gabriel a dit à Daniel, according what Gabriel said to Daniel, 70 semaines ont été établies pour ton peuple et pour ta ville. 60 weeks have been established for your people, your city. Et nous sommes allés dans le livre de Nombres, chapitre 14. We move to the book of Numbers. À partir du verset 34. From verses 34. Et nous avons compris. And we understood. Qu'un jour vaut aussi une année. That a day is also a year. Pas seulement ce que Dieu a dit dans le livre de Pierre, un jour est égal à mille ans. Not only what God said in the book of Peter, one un jour vaut mille ans d'après le livre de Pierre. One day is worth 1 million. Et un jour aussi vaut une année d'après le livre de Nombre. And one day equals also. Alors comme nous avons 70 semaines, as we have 60 weeks, donc une semaine
7 jours. Wolf 7 days. Un jour vaut une année. One day wolf a year. Dans une semaine vaut 7 ans. First a week wolf. Vous prenez 60 semaines. You took 60 weeks. Multiplié par 7 ans. Times. Pour connaître le nombre de temps ou des années que Dieu a fixé pour le salut total des Juifs. Know the numbers that God fixed for the Jews' salvation. 70 multiplié par 7. 60 times 7. Ça nous donne 490 ans. It gives us 490. Les 490 ans. 490, yes. C'est le nombre des années fixées pour le salut de Juifs et de Jérusalem. Are the years of salvation fixed for Jews and Jerusalem? Par contre, les 70 semaines, les 70 ans, those 60 years, c'est la durée du temps fixé pour l'esclavage ou bien pour l'esclavage, la déportation de Juifs. Duration fixed for deportation of slavery for the Jews. Jusque là, qui a compris? Then who understood? S'il vous plaît, levez la main. Je veux voir si vous avez vraiment bien compris. Please raise your hand. I want to know if. Merci beaucoup. Qui n'a pas compris? What did you understand? Je peux continuer? Carry on. Ok. Vous n'avez pas compris sur quel point, sœur? What point did you understand, sister? 70 ans et 70 semaines. Ok. Je dis ceci. Then this. D'après la prophétie du prophète Jérémie. According to Jeremiah, prophecy. Dieu a dit dans Jérémie chapitre 25. God said in Jeremiah chapter 5. À partir du verset 4 jusqu'au 11e verset, si vous continuez. Chapter 4. If you give. Jusqu'au verset 1. À cause des abominations et de la rébellion d'Israël. Cause abomination and rebellion of Israel. Qui Dieu leur a parlé, Dieu les a envoyés les prophètes, ils n'ont pas compris. God spoke to them and sent a message and they didn't understand. Alors pour les payer. Leur méchanceté, their weakness, Dieu les a livrés à la domination, à l'esclavage, au roi de Babylone qu'on appelle Nebuchadnezzar. Put them to abomination to the king of Israel, Nebuchadnezzar. Et Babylone de l'époque, c'est Irak d'aujourd'hui. Babylon at the time is Iraq of today. Alors Dieu appelle ce prophète, ce roi de Babylone, mon serviteur. Call this king my servant. Je les ramènerai ici en Israël. I will bring them back here in Israel. Et ils vont vous prendre, take you avec vos enfants, with your children, et vous amènera en captivité. And send you to the captivity. Et Dieu a dit, God said, votre ville sera détruite. Your city will be destroyed. Dieu a dit, God said, que tout ce qui est maison, le temple, la maison du roi, tout sera détruit. All things which is homes. Temple will be destroyed. Et la ville sera une ruine et un désert. And the city will be a ruin and a wilderness. Donc cette prophétie du prophète Jérémie, this prophecy of Jeremiah the prophet, s'est accomplie exactement comme Dieu l'a dit. Was fulfilled exactly when God said. Il a envoyé Nebuchadnezzar pour venir en Israël et le prendre et les amener en captivité. Then Nebuchadnezzar to come Israel took them in captivity. Et ils ont fait exactement là-bas 70 ans. Exactly 60 years there. Avant de revenir, de retourner dans leur patrie. Before coming back in their homeland. Donc 70 ans. That's 60 years. C'est la durée des années de captivité pour les enfants d'Israël à Babylone. It's the duration of captivity of children of Israel. Est-ce que jusque là c'est compris? Yes, it's not. Par contre, les 70 années de Daniel. Conversely to the 60 years of Daniel. Ne sont pas les 70 années de captivité. About the 60 years of captivity. Le 70 semaines de Daniel. 60 weeks of Daniel. C'est le plan du salut pour les Juifs et pour Jérusalem. It's the salvation plan of Jews and Israel. Et le plan vaut 490 ans. The plan was 49 years. Alors combien nous avons fait pour trouver 490 ans? To find 49. Nous sommes allés dans le livre de Nombres. Book of Numbers. Là-bas, Dieu dit aux enfants d'Israël. Over there, God said to the Israel. Comme vous avez mis 40 ans pour explorer le pays. As you put 40 years to explore the vous aurez aussi 40 ans de souffrance. We also have 40 years of suffering. Dites amen. Say it, amen. Ok, lisons ça. La Bible dit. So read this, the Bible says. Dans Numbers chapitre 14. Numbers chapter 14. Verset 34. Verses 34. La Bible dit ceci. Bible says this. De même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays. For 40 years more.
vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. You will suffer for your sins and nobody. Et vous serez ce que c'est que d'être privé de ma présence. And you know what it is to be privé of my presence. Donc vous allez dire que Dieu dans la Bible a dit qu'un jour vaut 1000 ans. God said in the Bible one day is worth 1000 years. Le même Dieu si nous révèle ici. Thank God we will us also. Qu'un jour vaut aussi une année. That one day is worth. Alors pour entrer dans notre étude de 70 semaines de Daniel. Let's to get in our survey. That on ne peut pas explorer une année, exploiter une année pour 1000 ans. We cannot exploit 1 year for 1000 years. Mais il faut exploiter une année pour un jour. Exploit 1 year for 1 year. Donc comme il y a 70 semaines, there is 60 years. Que Dieu a fixé pour le salut de Chypre et le salut de la ville d'Israël. Our God fixed it on the salvation of Israel city. Donc une semaine vaut 7 jours. First 1 week equals 7 years. Donc en d'autres termes, un jour vaut une année. First 1 day is worth. Donc une semaine vaut en soi 7 ans. First 1 week equals 7 years. Alors comme il y a 70 semaines, now there is 60 weeks. Nous prenons 70 semaines multipliées par 7 ans. We take 70 weeks times 7 et ça nous donne 490 ans. Give us 49 years. Les 490 ans, 49 years, c'est la totalité des années du salut des Juifs. Totality of the salvation of the Jews et de la ville de Jérusalem. And the city of Jerusalem. C'est ça. This is that. Est-ce que c'est compris? Is it clear? Je peux maintenant avancer. I can move forward. Maintenant nous allons dire ceci. Now we said this. Que Israël est parti en captivité à Babylone en 3 phases. That Israel went captive in 3 years to Babylon. Sous le règne de 3 rois. The reign of 3 kings. Le premier roi, c'est le roi Joachim. First king is the king Joachim. Donc quand Joachim était roi, when Joachim was king, il régnait à Juda. He ruled over in Judah. Et à Benjamin, les 2 tribus qui se sont unies après la mort de Salomon. In Benjamin, in the 2 tribes after Solomon's death, la prophétie de Jérémie a commencé à s'accomplir sur le règne de Joachim. Prophecy of Jeremiah is fulfilled out under the reign of. Et c'était en l'an 606. It was on the year 1600. En l'an 606. 160. Donc pendant que Joachim était en train de régner à Jérusalem, while Joachim was ruled over in Jerusalem, en l'an 606, in the year 166, le roi de Babylone est venu maintenant à Jérusalem. Of Babylon come in Jerusalem pour accomplir ce que Dieu avait dit. To fulfill what God has said. Il est rentré à Jérusalem. Went in Jerusalem. Est-ce que vous suivez? Do you follow me up? Il est rentré à Jérusalem. Get in Jerusalem. Il a déporté tous les Juifs. He deported all the Jews. Il les a pris. He took them. Et il les a menés à Babylone. And he bring them to Babylon. Ils sont restés là-bas. They remained there. Donc il a capturé tout un peuple. So he captured all people. Et il les a menés en captivité. And he took them in captivity. Je crois que vous me suivez bien. I believe that you follow me well. Pendant qu'il est parti, when he went there, il a installé un autre roi pour la partie des gens qui restaient. Set up another king for the certain part who remained. Il s'appelait Joachim. His name was Joachim. Joachim n'est rien d'autre que le fils de Joachim. Joachim is someone else, the son of Joachim. Donc en 606, first in 616, avant la naissance de Joseph, before Jesus was birthed, le roi de Babylone est venu, king of Babylon came, et il a pris les gens et les a menés, took people and beat them. Quand il est venu en 606, when he came in 616, qui est la date ou bien l'année de la première déportation des Juifs. Il amena Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et tous les rois d'Israël. What we mean, Daniel, Shadrach, and Abednego and all the people of Israel with him. Il les a menés en Babylon. He brought them to Babylon. Nous sommes en l'an 606. We are in the year 606. Il est revenu pour la seconde fois. Came back to the second time. En l'an 500. In the year 500.
27. 4:9-7. J'écris un premier D. J'écris un deuxième DP. Second. Première déportation. Deportation. Et la deuxième déportation en 597. And the second one in 597. Dans la première déportation, il a mené chacun de chaque appel de Go. Il a emporté tout le peuple d'Israël et les a menés. In the first deportation, he brings Daniel Shadrach, Abednego. Go. Jusque-là, ça va? Still there is okay. C'est bon? He is good. Il est revenu la deuxième fois. Okay, for the second time. En 597. In 597. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? What did he do? Yeah. Il a détruit le temple. He destroyed the temple. De Jérusalem. Of Jerusalem. Il a détruit tout le temple. He destroyed all the temple. Il a mis le temple à terre. Pulled down the temple. Et il est parti. And he went. Quand il est arrivé là-bas. When he reached there. Donc avant de partir, il a installé, il a espéré. Il a établi un autre roi. For whom he started, another king. C'est Sédécias. Was Sédécias. Qui était l'oncle de Josaphat. Was the uncle of Josaphat. Il l'a établi comme roi. That he established as a king. Et ce Sédécias, Sédécias. For Sédécias. A refusé d'envoyer l'argent au roi de Babylone qui était Nebuchadnezzar. Refused to send money to the king of Babylon who was. Israël. Alors quand l'homme Sédécias a refusé d'envoyer les tribus au roi de Babylone, when Sédécias refused to send tribes to the king of Babylon, le roi de Babylone est revenu pour la troisième fois. King of Babylon come for the third time. C'est en l'an 586. This is on the years 5. C'est la troisième déportation. This is the third deportation. Qu'est-ce qu'il a fait la troisième fois? What did he do the third time? Il a détruit les murailles de Jérusalem. Il a détruit la maison du roi. Il a détruit toutes les fossés. Il a tout détruit. Et il n'était pas satisfait. Il a mis le feu dans la ville. Il put the fire on the city. Donc toute la ville de Jérusalem. When he reached Jerusalem, était pillée. He burned up Jerusalem. Donc il n'y avait plus rien. Tout était la ruine et le désert. It was nothing less, wilderness. Comme Dieu l'avait dit. Has God said it? Quand Dieu dit quelque chose, when God says something, la chose doit s'accomplir comme il l'a dit. If it must be fulfilled, has it done? Jérusalem est devenu une ruine et est devenu un désert. Jerusalem has become a ruin, a wilderness. Il n'y avait plus d'habitants. There were no inhabitants. Alors, il est reparti avec. Then he come back with this. En détruisant le temple, by destroying the temple. Deportation. Il a pris les objets d'or qui étaient dans le temple de Salomon. Il a pris les objets d'argent. Object of money. Il a pris tout ce qui était le taillage compris avec ça de la sainteté, tout ce qui était de la maison de Dieu. Il a pris tout à l'emporter ça. Those all the jars that we took for the holy sense. Il a pris une grande quantité de l'argent. Il a pris de l'or. Il a pris tout à l'emporter ça. He took a great amount of money, gold and bring with him. C'est ce que Babylone spirituel le fait. What Babylon in spiritual deeds. Il dépouille l'église de ce don merveilleux que Dieu lui a donné. He removed the church of his marvelous gift that God gave him. Alors il a mené à Babylone. Then he went to Babylon. Vous allez remarquer que Daniel est parti à Babylone en 606. You will notice that Daniel went in Babylon in 1606. Il est resté là-bas depuis l'âge de 12 à 14 ans. He remained there to the age of 12 to 40 years. Mes frères, he took the book of the prophet Jeremiah. Il a dit on ne sait jamais. He said we don't know. Je ne peux pas aller comme ça. I cannot go like that. Il faut amener une brochure pour lire. I must take a booklet to read. Il faut amener quelque chose pour lire. I must take something to read. Et la brochure qu'il a apportée, c'était la brochure du prophète Jérémie. And the book that he took was the booklet of the prophet Jeremiah. N'oubliez jamais le prophète. Never forget the prophet. N'oubliez jamais. Time, il a commencé à prendre conscience. He
understand to the conscience. Daniel dit en lui-même. Daniel said himself. Je ne voudrais pas m'étendre trop loin. I would not like to go far with Daniel. Vous savez une chose que je voudrais mettre dans une parenthèse. Just something that I would put into brackets. Quand Daniel est venu en captivité, Jérémie est resté là-bas. In captivity, Jeremiah stayed there. Et plus tard, on a enlevé Jérémie d'Israël pour l'amener en Égypte. Later on, we took Jeremiah from Israel to send him to Egypt. Est-ce que je me fais comprendre? Yeah, make myself. Jérémie n'a pas suivi ses frères à Babylon. Jeremiah never followed his brother in Babylon. Mais on l'a pris, on l'a amené en Égypte. Then we took him and sent him to Egypt. Maintenant, je veux quand même remarquer quelque chose. I want you to notice something. Il est parti, ils sont partis à Babylon. They went to Babylon. Ils n'ont plus le prophète. They took the prophet. Ils n'ont plus le Lévite, des sacrificateurs. Ils n'ont plus l'église. Alors il est allé prendre la brochure
de Jérémie. Then come to take the booklet of Jeremiah prophet. Intitulé Israël en déportation. Title Israel into deportation. Je veux entendre de votre main. I want to hear your hand. Maintenant, comme on a dit, la mosquée, les instructions de Gabriel à Daniel. Booklet, instruction Daniel to Gabriel. Paragraphe 72. Paragraph 62. On a pas entendu que le prophète Daniel était à Babylon depuis 68 ans. Prophet Daniel was in Babylon 60 years. Pour vous qui voulez consulter les références, si vous voulez économiser le temps que j'ai passé à chercher ça. For you want to consult the time that I start to seek for this. 68 ans. 68 years. Il était entré en captivité en 606. He went into captivity in 606. Avant Jésus-Christ. Before Jesus Christ. Et c'est en 538. And it's 538. 538. 538. J'écris là-bas prière de Daniel. I write there cry of Daniel. C'est en 558. 538. 538. Dit le prophète. C'est le prophète. Avant Jésus-Christ, la vision lui est venue. Before Jesus Christ, the vision come to him. 606. 606. Moins 538. Minus 538. Ça donne 68 ans. Equals 68 years. Il y avait 68 ans qu'il était à Babylone au milieu des païens. There were 68 years he was Babylon among pagans. 68 ans. 68 years. Au milieu des païens. Between pagans. Sans frères. No brothers. Sans église. No church. Sans pasteur. No pastors. D'ailleurs, je vais même, frère, aller un peu plus loin. I go further. Quand on les a menés avec Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Abednego. Frère Branham dit, ils n'étaient pas dans la même ville. But when said they were in the same city. Les autres sont partis dans les provinces. Others went into the countryside. Et Daniel est resté dans la capitale. And Daniel remained in the capital. Vous remarquez qu'autour de lui, il n'y avait pas de frères. Notice that around of him there were no brothers, no pastors. Il n'y avait pas d'église. There were no churches. Il n'y avait pas de cantiques. There was no songs. Il était seul. He was alone. Et Frère Branham dit. Frère Branham said. Il y avait 68 ans. There were 68. Il était en Babylone au milieu des païens. That he was in Babylon among pagans. Et il avait toujours la victoire. And he also had victory. Branham dit Amen. Branham said Amen. Nous ne pouvons pas. We must not tenir une heure. Held 1 hour. Mais lui, but him, il a tenu 68 ans. He held 68 years. Sans tomber. Without fall down. Sans aller avec une femme. Without go with a woman. Sans se souiller. Without defend his body. 68 ans. 68 years. Frère Branham dit, il avait toujours la victoire. Baba said, get also victory. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas tenir une heure. We cannot hold 1 hour. Mais lui, il avait été en plein dedans. But he was full in. Au milieu des païens. Among pagans. Et il avait seulement 3 compagnons avec lui. Just 3 companions with him. Et eux étaient ailleurs dans le royaume. And there they were elsewhere in the kingdom. Mais Daniel était seul avec Dieu. And Daniel was alone with God. Il a gardé la victoire pendant 68 ans. He kept the victory for 68 ans. Je ne vais pas me mettre à prêcher. I not put myself to preach. Parce que c'est censé être un enseignant, mais ça d'enseignement. Because it must be a mais pendant 68 ans, but 60 years, il avait gardé la victoire. He kept the victory. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu. He didn't defend his body to God's eyes. Et ça, c'est sans le baptême du Saint-Esprit. It was without the baptism of Holy Ghost. Sans le sang de Jésus-Christ. The blood of Jesus Christ. Qui intercède pour lui. Il n'a fait que le sang de taureau, de bouc, only the blood of et de jeunesse, and goats, qu'il devait offrir, offrir en cachette. That we must do in et à cause des traditions païennes, those of pagan traditions, de ce pays-là, for that country, on les avait amenés là-bas, Jérémie avait prophétisé qu'il irait. They were brought there, Jeremiah prophesied. Alors, Daniel, oh là là, il avait commencé à voir que le moment approchait. And Daniel, oh my, knew that the time tout à coup, tout comme nous aujourd'hui. Daniel a commencé à voir, dit, par la lecture des livres. Daniel started to see for the reading of the books. C'est pourquoi Daniel a dit dans Daniel chapitre 9. Daniel said in the book. Il a pris la note du règne.
years of King Darius. Moi, Daniel, je ne comprenais pas les livres. I, Daniel, understood by. Qu'il devait se couler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel a parlé au prophète Jérémie. Madame dit Jérémie en l'an 606 avant Jésus-Christ. Avait prophétisé qu'à cause de leurs péchés et leurs impuretés, il y resterait 70 ans. Prophesied because of the impurities and sin remained 60 years. Vous vous souvenez, il y avait un autre prophète qui parut à cette époque-là. Remember there was another prophet who came after this. Son nom m'échappe en ce moment. Je vais peut-être vous le trouver dans quelques minutes. His name is getting me for a little while. Si je cherche un peu lui, il est venu et il a dit. Jérémie, tu as tort. Dieu va laisser Israël là-bas pendant seulement 2 ans. God will let Israel there for 2 years. Jérémie a dit qu'en soit ainsi. Qu'est-ce qu'il en soit ainsi? Jérémie a dit, mais c'est ça. Amen. Il a dit, mais attends un peu. But wait for a little while. Toi et moi en tant que prophète. You and I as prophet. On va vérifier ça. On va vérifier ça ensemble. Check it together. Il a dit, souviens-toi. Say, remember your. Il y en a qui ont prophétisé avant nous. Et ils ont dit des choses qui étaient fausses. And was wrong. Et ils ont eu affaire avec Dieu pour avoir dit ces choses. Qui sont fausses. Alors soyez bien certains. So be certain. Mais à moi, le Seigneur m'a dit qu'il reste 70 ans. The Lord said, remain 60 years. Et maintenant, Dieu a frappé ce faux prophète. God beat that false prophet. Et il lui a ôté la vie la même année. Moving life the same year. Parce que Dieu avait dit aux prophètes qu'ils auraient 70 ans. For God said to the prophet who remains 60 years. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel. I want you to notice that Daniel. Même s'il était un étranger. Foreigner. Même s'il avait été séparé de son père. He has been separated from his father. Séparé de son église. Separated from his church. Il n'avait pas de réunion du tout à l'église. He didn't have meeting to church. Il n'avait pas d'église où aller. Pas d'autre cantique à chanter no song to sing. Que ce qu'il chantait tout seul. All he was singing alone. Malgré tout cela, despite all of this, il est quand même resté attaché à ce que ce prophète avait dit. He stayed faithful to what that prophet said. Il est arrivé à un endroit où il n'y avait pas d'église. He happened to a place there were no church. Il est arrivé dans une ville où il n'y avait pas d'église. Les church, there were no church. Il n'y avait pas de livre de cantique. There were no books of songs. Il était seul. He was alone. Dit amen. Said amen. Mais malgré ça, they passed vite. Il s'est accroché à ce que Jérémie le prophète avait dit. He bound himself to what Jeremiah the prophet said. Frère Branham veut nous montrer par là. Frère Branham want to show for us. Et n'abandonnez jamais la parole prophétique. Never surrender the prophetic word. Même s'il n'y a pas une église quelque part. Check somewhere. Tu peux vivre la parole avec le péché. Tu peux vivre la parole avec le message dans ton cœur. Amen. 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 C'est pourquoi avant de faire n'importe quel voyage, that's why to do a trip, soyez en sûr. Be sure que tu as Dieu dans ton cœur. That you have God in your heart. Amen. Oh, pastor, pray for me. Je vais aller en France, pays. I go to France. Oh, pastor, pray for me. Je vais aller en France. Pastor, pray. I want to go. Oh, pastor, pray for me. Je vais aller dans telle ville. I want to go to each country. C'est bien. It's well. D'avoir une bourse pour les États-Unis. You have sonship for us. Les États-Unis, c'est pas le ciel. Yes, sir, it's not even. C'est bien d'avoir une bourse pour aller dans un pays étranger. It's well. Going for a country, mais soyez en sûr, be sure, que vous avez Dieu dans votre cœur. That what? God in your heart. Vous savez le véritable et authentique baptême du Saint-Esprit dans l'âme. True and authentic baptism of the Holy Spirit in your soul. Sinon, tu iras chrétien. If not, you are Christian. Et Dieu reviendra ici, païen, et tu n'auras pas de temps. Païen, in short pants. Yes, sir. Amen. That's the truth, what I tell to you. Tu vas là-bas avec le chemin naturel. We go there with natural health. Et tu vas revenir ici avec le queue de bœuf sur la tête. You will come back with a queue of goat. Goat. Vous partirez là-bas les lèvres naturelles. We go there with natural lips. Et vous revenez ici avec les lèvres de Mabouya. You will come here with the lips of Maggot. Jésus. Amen. Vous allez là-bas sans vous l'oreille. Go together with no
gauche. On est en train de recopier le comportement et les attitudes des païens. This is your evidence. Votre le droit d'être chrétien. Your right to be Christian. Vous ne devez jamais liquider ça. You never sell it. C'est votre droit de naissance. This is your evidence, right? C'est votre lien du sang avec Christ. This is your link of blood with Christ. Vous ne devez jamais tromper ça. You will never sell it. N'importe quoi. For nothing less. Vous rencontrerez un jeune homme. You will meet a young man. Qui est DRH quelque part? Oui, tu, managing director somewhere. Vous venez avec votre demande, ma soeur. You come with your appointment. Il vous dira le travail si vous voulez ça. He will tell you this is the job that you want. C'est le sexe. This is the sex. Vous êtes une chrétienne. You are a Christian. Vous ne pouvez pas vendre votre droit de naissance à cause du travail. You cannot sell your evidence what you call that to work. Que Dieu nous fasse grâce. May God make us mercy. Que Dieu nous accorde la révélation du christianisme. May God give us revelation of Christianity. C'est une vue au-delà de tout le jour. This is a life beyond all things. C'est le véritable cadeau que Dieu peut nous donner. This is the true gift that God can give us. Fais de toi un chrétien. Make you a Christian. À cause du travail. For your job. Tout ce que tu as construit pendant 10 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans dans la parole. All things you built up among 10 years, 30, 20, c'est cool. Fall down. Et vous allez penser que c'est de la blague. And you think that it's a joke. Mais vous perdrez quelque chose que vous ne pouvez plus récupérer. Then you will lose something that you cannot bring back. Et Frère Branham dit. And Frère Branham say. Votre conscience va vous reprocher tout au long de la vie. Your conscience will reproach you all along the year. Même si vous cherchez à vous échapper, even if you seek to escape yourself, ça va vous rattraper. This will catch up with you. Comment il n'y a pas d'amen? How much there is no amen? Le prophète Daniel n'avait personne à ses côtés. Prophet Daniel was having no one close to him. Il a tenu bon. But he held well. Il a gardé la victoire. Victory sans without pasteur, pastors sans frères, no brothers sans église, no churches sans un endroit pour aller prier, no place for praying sans le recueil de cantiques, no books of songs. Il a tenu bon. He held well. Vous savez quelle est mon assurance? You know what is my insurance? Je sais que ce que je dis là c'est la parole du prophète. I know what I'm telling is the word of prophet. Et je sais que Dieu ouvre vos oreilles en ce moment que ça puisse entrer. And I know that God open up your hands for that. Et ce message prend place dans votre cœur. And si vous n'êtes pas d'accord, message take place in your heart, even if you are not agreeing. Seul, alone, 68 ans, 68 years. Sans se suivre. Without defense is by you say the prophet. Et frère, nous ne pouvons pas tenir une heure. And Bible says you cannot have 1 hour. Combien des années que vous êtes dans le message? How much years are you in the message? Et combien des échecs ont ici? How much failures you got? Et Daniel? And Daniel? N'avait pas le baptême du Saint-Esprit. He didn't have the baptism of Holy Ghost. Brother, I'm saying without the Holy Ghost. Oh la la. Oh my. Paragraph 73. Paragraph 63. Page 17, les instructions. Page 17, les instructions of Daniel. Pendant lui. Brother, I'm saying. Mais pendant 70 ans, il avait gardé la victoire. During 60 years, he kept the victory. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu. He never defended to God's eyes. Et ça, c'est sans le baptême du Saint-Esprit. And this is without the baptism of Holy Ghost. Sans le sang de Jésus-Christ. Without the blood of Jesus Christ.
qui intercède pour lui. Which intercede for him. 68 years. Et nous avec notre Saint-Esprit. And us with our Holy Ghost. Avec le sang de Jésus-Christ. With the blood of Jesus Christ. On ne peut pas tenir une heure. We cannot have an hour. Comment expliquer ça? How can we explain it? Chaque fois que le petit vient nous voir au bureau, whenever chefs come to see me in the office, je n'aimerais pas entendre vos défaites. I will not to understand your defeats. Vous ne savez pas combien ça me fait pleurer. Don't you know how much it makes me weep? J'aimerais entendre votre progrès. I would like to understand your progress. Pasteur, j'ai fait une année. Pasteur, I put 1 year. Et je suis debout dans le message. I'm holding in a message. Allez, on s'acclame. So we're clapping. Ça fait du bien au pasteur. It meant well to the pastor. Ah, pasteur, je suis venu me repentir. Pasteur, I come to repent myself. Quand j'avais cru au message. When I received the message 3 years later. Comme tu connaissais bien, j'étais vierge. As you know well, I was virgin. Là, je suis venu vous dire que je ne le suis plus. Now I come to tell you I'm not in. Avec ce message. With this message. Avec ce message. With this message. Donc je vous faisais confiance pour rien. I make you confiance. For nothing. Mais ça ne va pas. It is wrong. Vous voyez les jeunes garçons venir, pasteur. You see young brothers, pasteur coming. Je suis venu prier que tu pries pour moi. I come to pray for me. Tu as quel problème? What problem do you got? Oh, sont les choses que je continue. Je commence à vous parler comme ça. Ça prendra du temps et ton temps est. Parle. Speak. Yes, sir. There is time. Yes, sir. Il y a quoi? What is it? Je suis tombé. I fell down. Il y a quoi? What is it? Je me suis masturbé. I masturbate myself. Et je n'arrive plus à me dépasser. I cannot read to overcome. Ça devient une vie. It becomes a life. Ne pleurez pas quand tu vas te marier et que tu deviens stérile. Never weep when you get married and become sterile. Ça a des conséquences de la stérilité. These are consequences of sterility. Je ne sais pas comment je vais vous parler ça. I don't know how I'm going to speak you this. Daniel! Daniel! 68 ans! 68 years! Toujours dans la victoire! Always in the victory! Mais nous! But us! Une heure! 1 hour! On ne peut pas! We cannot! Mais pendant que je prêche ici! Then I'm preaching there! On n'est qu'au début de l'année! We are just at the beginning of the year. Nous sommes aujourd'hui 16. On a fait au moins 3 semaines. We met 3 weeks only. Si chacun peut vous raconter son expérience depuis le 1er janvier jusqu'à présent. Il y a d'autres qui sont déjà tombés. Ils sont là. If someone can tell his own experience, many fall down. They are there. N'avez-vous pas honte d'être appelé chrétien et de mener une vie qui va à l'encontre du christianisme? Don't you have a shame to have a Christian life and call yourself a Christian? Voilà, il n'y a aucun amen là. Yeah, there is no amen there. C'est parce que le message touche le cœur. Because the message touches the body. Et vous confessez l'enlèvement. And you confess the rapture. Comment vous allez partir? Or are you going to be wrapped? Vous n'irez pas à l'enlèvement parce que vous avez eu pour pasteur Mosebo Serafin. You're never going to rapture because God has pastor Mosebo. Vous devez combattre pour votre salut et moi je combats pour mon salut. Je dois vivre la parole de Dieu. I must live the word of God. Et vous devez vivre la parole de Dieu. And you must live also the word. Ce n'est pas même parce que vous êtes dans le message. Then because you are in the message. Amen. Amen. Faisons le sérieux. Be serious. Le temps n'y est plus. The time is anymore. Dites amen, mes amis. Say amen, my friends. What on dit? Brother, I say, sans le baptême du Saint-Esprit, without the baptism of Holy Ghost, sans le sang de Jésus-Christ, without the blood of Jesus Christ, il a tenu bon. He held well. 68 ans.
68 years. Il a lu le prophète. He read the prophet. Jeremiah. Et Dieu l'a soutenu. And God rescued him. Pendant ce temps. During 68 years. Qu'est-ce que vous pouvez retenir ici? What can you remain there? Je veux vraiment que vous soyez capable de parler de son discernement à quelqu'un. I want you to be able to speak about 68 years to someone. Retenez qu'Israël est parti en captivité en trois phases. Notice that Israel went in captivity in three steps. Le temps de Josaphat. The time of Josaphat. Josaphat 606. 606. Le temps de Josaphat. Time of Josaphat. 597. 597. Le temps de Sédécias. Time of Sédécias. 586. 586. Et en 538. In 538. Daniel s'est mis en prière. Daniel start praying. Et si nous prenons 606 moins 538. If we take 606. Ça nous donne 68 ans. It gave us 60. Donc il reste seulement 2 ans. It was remaining just 2 years. Pour que Daniel et tous ses frères retournent dans leur pays. For Daniel and his all brothers come back in their homeland. Il reste seulement 2 ans. Just 3 years remaining. Et Dieu, par la voix d'un ange, a profité de ce message pour lui enseigner le plan entier de la rédemption. By the sending of an angel prophet to teach him the plan of redemption. Vous allez lire ça dans 2 Chroniques. You are read into 2 Chronicles. Chapitre 36. Chapter 36. À partir du verset 5. Premier. Jusqu'au verset 11. Till the verse 11. Pour voir les 3 déportations d'Israël, les 3 rois. To see the 2 deportations of Israel. Au travers duquel Daniel est parti en captivité. For which Daniel went into captivity. Maintenant, jusqu'à présent, nous n'avions pas encore touché le son d'Israël et Daniel. Et là, nous n'avons pas touché le 68 of Daniel. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ok, après le 70 ans, after the 60 years, Nebuchadnezzar qui a fait souffrir les enfants d'Israël, Nebuchadnezzar put into Nebuchadnezzar qui a détruit le temple. Who destroyed the temple? Le temps est venu pour lui de payer, d'être aussi maltraité par Dieu. God has come for him to be also mistreated by God. Dieu n'oublie jamais son peuple. God never forgot his people. Peu importe les erreurs du peuple. Dieu n'oublie jamais son alliance. God never forgot his covenant. Et Dieu n'oublie pas votre alliance. God never forgot his covenant. Il se souviendra toujours. Et oui, also. Si tout, si votre vie, many if your life est enveloppée de bienfaits aux enfants de Dieu, by the good wealth of Dieu se souviendra toujours de toi. God will also remember of you. Et il va te récompenser. And he will reward you pour tes efforts. For your efforts. Daniel le prophète. Daniel the prophet avait expliqué au roi Nebuchadnezzar, explain to the king of la chute de son royaume. The fall down of his kingdom. Il a dit, toi, you, ton royaume, your kingdom, sera renversé par un autre peuple. Will be damaged by another people. Et toi, and you, tu vas te God will mark you, humble you, jusqu'à devenir comme une bête sauvage. Then to become as a wild beast. Oh, mes prophètes ne regardent pas. Ne sont pas la grandeur ou la gloire de la personne. Il est né pour les messages selon l'inspiration de Dieu. God. Et après quelques temps, and later more, Babylone est tombé. Babylon fell down. Le Perse sont venus, les Médo-Perses, les Perses sont venus, ils ont pris and took, et ils ont renversé le Nebuchadnezzar. And they released Nebuchadnezzar king. Nebuchadnezzar a fui en flambeau. Nebuchadnezzar went in the bush, poussé comme le plume de l'aigle. Les ombres poussées. Nels push up. Il est devenu malheureux. He become unhappy. Ne faites jamais du mal à un fils ou une fille de Dieu. Never make pain to a son of God or a daughter of God. Vous payerez pour ça. You will pay for it. Et le royaume de Babylone. Babylon came. A été renversé. A
has been reversed. Et c'est Cyrus. And it is Cyrus qui est devenu roi. Who became the king. Et là, nous sommes dans Esdras premier. And then we are into Esdras first. Pendant que Cyrus est devenu roi de Babylone. Why? Cyrus become king of Babylon. Dieu reste Dieu. La première année de Cyrus, le roi de Perse. Cyrus, king of Perse. Afin que ça compense la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Roi de Perse qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. This publication in his kingdom. Ainsi parle Cyrus. So say Cyrus. Roi de Perse. King of Perse, qui fait faire de vive voix et pas écrire cette publication. Of good voice. Et si parle sur le roi de Perse. So spoke sur ceci. L'Éternel, le Dieu des cieux, Lord God of heaven, m'a donné tout le royaume de la terre. Gave me all the kingdom of the earth. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem de Juda. Amen. Me to back a kingdom in Jerusalem. Dieu. Jérusalem à Juda. Jérusalem et Juda. Oh, cette maison. This room. A été détruite par Nebuchadnezzar. Has been destroyed by Nebuchadnezzar. Un roi païen. A pagan king. Le même Dieu. The same God. On donne à un roi païen. Command to a pagan. De reconstruire le temple. The temple. Vous allez remarquer. Ce n'est pas lui même Cyrus qui est allé. Jérusalem. Vous ne pas de Jérusalem. Vous ne pas de Jérusalem.
trois personnes qui étaient là-bas dans le fond de la salle. Tu as pris. Je reconnais.
délivré. Deliver us. Mais attendez. But later. Vous savez, j'étais dans la fournaise ardente. You fasted in the furnace burning. Trois personnes. Three persons. Mais d'où vient-il? Welcome. Qu'il y a un quatrième. There is a fourth one. La figure. The face. De ce quatrième homme. His former. Est comparable. Is like la figure. To the face. Du Fils de l'homme. Or the son of man. Aïe, aïe, aïe. Je suis le chef, I'm the chief, de l'armée de l'éternel. I am the Lord. Je viens de
Thank you.
qui sont des antennes. Pour contrôler. They control. Dès que vous avez l'argent. As soon as you get money. La pluie. Press on. L'hôpital. Hospital. Quel est cet hôpital que quelqu'un va partir tous les jours? Which is this hospital that someone has got to? Mais ce soir, je vous dis. But tonight I tell you. D'autres maladies que vous avez. Ce sont les maladies, those diseases, qui viennent, come sur vous, on a you, par transmission, by transmission. Et ce soir, tonight, le retour à l'envoyeur. Qui t'a passé dans ce corps? Who put you into body? Ça m'est à moi le vent.
Sa mère boit le vin. His mother drink drink. C'est de rentrer dans une bouteille de l'égal. You get by free. Donc tu es un voisin. Il a mis à sa mère. A close friend to his mother. Il a mis à sa mère. A close friend to his mother. Ok. Je te pose la question. Ask you a question. C'est toi le chef? Where the chief? En personne. En personne. Tu habites où? Where do you live? Tu habites à Fougamou. You live at Fougamou. Donc tu as Fougamou, mais tu as tout dans le corps. Fougamou, you live in the body. Ok. Aujourd'hui, ton travail, your work dans ce corps, dans ton body, c'est pour toi. That's why. Par le pouvoir de l'Évangile. Check this out.
Bonsoir. Good afternoon. Ça va bien? Is it okay? Quelque chose est sorti de toi? Something is cut out of you. Comment tu le sens? How do you feel? Le sens plus léger. You feel yourself. Tu as senti que quelque chose est sorti de toi? You feel something. Jésus-Christ vient vous assurer la guérison. Amen. Oh!
vous ordonne dans le nom de Jésus. Toi c'est qui? Who are you? Toi c'est qui? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Parle, qui es-tu? Speak, who are you? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Toi c'est qui? Who are you? Ok, toi c'est qui? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Je prends autorité sur toi. Take control. Tu es en présence de Jésus Christ. Et tu n'as pas le temps de ta misère. Time to parle au nom de Jésus-Christ. Speak. Tu as dit dans ce temps. Who are you? Qui es-tu? Who are you? Depuis combien de temps tu as rentré à ce temps? How many years are you in this body? Combien de temps? How many times? Depuis toujours. Depuis toujours? Combien de temps? Depuis, je suis là depuis. Depuis la naissance? Since the birth. Depuis sa naissance? Since our birthing. Depuis sa naissance? Since our birthing. Qui es-tu? Un parent? Why are you a relative? Je suis sa tante. Sa tante? Vous savez où? Are you living? Je suis dans le livre. Quel est ton livre? Il va te livrer. Ok. Quelle est ta mission dans ce temps? What is your mission in this body? Quelle est ta mission? What is your mission? Tu as entendu des trucs? Tu as dit une histoire? Oh, allez, tais-toi. So, écoute maintenant. Be quiet, listen up. La Bible dit, la Bible dit, le covenant est le temple de Dieu. Oh, yeah, temple of Holy Ghost. Et tu ne peux pas être au-dessus de parole. You cannot be above the world. Maintenant. Now. Puisque tu as entré depuis de longues années. Since you get in, since. Et Jésus-Christ a dévoilé aujourd'hui. That's why it is very today. Je mets tout son corps sous le contrôle du Saint-Esprit. Le feu de Dieu traverse sa tête, traverse son corps, traverse ses pieds, et que tout son corps soit sous le contrôle du Saint-Esprit maintenant. Vois-tu l'autorité de Dieu? Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de notre Dieu.
chez les apôtres. Et ils ont prêché la parole du Saint-Esprit de sa vie, afin de guérir les malades, de délivrer les captifs, de chasser les démons. Je veux que toi, le même ange du Seigneur, qui est ta salue, s'il suit la forme de la colère de feu, que tu puisses guérir les malades ce soir, que tu puisses délivrer les captifs ce soir, que tu puisses déloger les démons de l'éteint ce soir, que tu puisses les que la puissance du Dieu tout-puissant entre dans la parole qui se clôture. Avec là où se trouve la parole avec cœur, qui est une explosion surnaturelle, afin de s'épuiser tout ce qui n'a pas la même nature que le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que leurs ennemis soient maudits au nom de Jésus. Que tous ceux qui se lèvent en leur vie soient maudits au nom de Jésus. L'esprit des pécheurs, l'esprit des voisins, les démons qui s'incarnent, je les maudis qui sont dans Jésus-Christ, et je libère de la vie ce soir, qu'ils soient libres de la justice, qu'ils soient libres de la justice, qu'ils soient libres de la justice, et je prie à toi de ton serviteur que tu attends à chacun un grand visage. Qu'il soit rempli du feu de Dieu, qu'il soit rempli de la puissance du ciel, qu'il soit rempli de l'onction divine, et que l'ange du Seigneur marche dans le de chacun de l'église dans leur maison, protégez-le contre les accidents, protégez-le contre tous les dangers, que chacun soit environné par la colonne de feu, dans le nom de Jésus-Christ. Pour qu'il marche dans ton Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'ils se réveillent dans leur maison. Je bénis le retour de chacun et je prie pour la rigueur de vendredi et le dimanche que cette salle reste sous le contrôle du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la solution au problème de tes enfants. Les esprits de masques mystiques qui environnent leur figure afin qu'ils ne puissent pas se marier, afin qu'ils ne puissent pas trouver le travail. Je chasse ces masques au nom de Jésus. Que ces masques libèrent leur vie. Bénis-le et guéris-le au nom de Jésus-Christ. Sois la protection de chacun jusqu'à ce que chacun arrive chez lui en paix. Que tous les agents de Satan sur leur chemin soient éloignés au nom de Jésus-Christ. Et que les anges du Seigneur puissent se faire le cortège jusqu'à l'arrivée de la maison, Seigneur, que chacun soit sous la divine protection de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.